Hello à tous, Nicolas de la boutique Miss Numérique, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour se parler des boîtiers et des optiques de la Helmut Alliance et des nombreuses possibilités créatives que celle-ci peut vous offrir. Petit rappel, ou pour ceux qui ne le sauraient pas, la Helmut Alliance, c'est à la base un accord inédit entre trois marques, Leica, Lumix et Sigma, qui ont décidé de se partager une monture unique, la monture L, pour l'ensemble de leurs boîtiers et leurs optiques plein format. Dans cette vidéo, on ne se parlera que de ces trois marques, même si cette année, d'autres marques comme DJI, Samyang ou Blackmagic ont annoncé rejoindre cette alliance, mais n'ont pour le moment pas annoncé de nouveaux produits sur la partie hybride photo-vidéo. Concrètement, la monture L, elle va vous permettre d'utiliser de façon native, sans adaptateur, des optiques Leica sur du Lumix, des optiques Sigma sur du Leica. Vous m'avez compris, vous pouvez mixer l'ensemble de ces trois marques sans adaptateur et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Alors, on va commencer avec les boîtiers les plus confidentiels qui sont les Sigma FP et FPL. Ce sont des hybrides de poche, ultra discrets, avec une ergonomie extrêmement accessible, extrêmement simple et qui vont vraiment être idéales pour des pratiques comme la street photographie ou le reportage. D'ailleurs, vous avez quand même le FPL qui va vous permettre pour un prix ultra abordable de bénéficier d'un capteur de 61 millions de pixels, donc en ultra haute définition. Ensuite, chez Panasonic, on a les boîtiers de la série Lumix S avec leur fer de lance, aujourd'hui les S5 II et S5 IIX. Offrant un autofocus de phase, ce sont aujourd'hui des boîtiers ultra performants, ultra polyvalents qui sauront tout faire autant en photo qu'en vidéo. Ils sont en plus à des prix franchement ultra abordables par rapport à ce qui se fait sur le marché. Le S5 IIX offrira des capacités en vidéo un petit peu plus poussées. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur ces boîtiers, vous pourrez retrouver notre test directement sur notre chaîne YouTube. Enfin, on a la gamme SL de chez Leica avec leur tout nouveau SL3. Comme tout boîtier Leica, ce sont des objets à la finition parfaite, au menu accessible et au design très épuré, et le tout assemblé à la main dans les usines allemandes de la marque. Il offre un autofocus de phase et il dispose d'un capteur tridéfinition vous permettant de prendre des photos en 60, 36 ou 18 millions de pixels selon la situation ou votre besoin. Les fichiers RAW au format DNG sont extrêmement précis et la colorimétrie des fichiers à la sortie du boîtier ne mérite quasiment aucune retouche. Avant d'attaquer le gros chapitre de cette vidéo sur les optiques L, on prend une petite minute pour vous parler de Miss Numérique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on est une entreprise française de matériel photo, vidéo, audio et optique. Miss Numérique, c'est un site internet qui compte plus de 15 000 références pour répondre à tous vos besoins. C'est un service client qui est ouvert du lundi au vendredi pour répondre à toutes vos questions. Mais c'est aussi un magasin de plus de 200 mètres carrés dédié à votre passion comme à la nôtre. Cela fait 20 ans qu'on est le distributeur des plus grandes marques comme celle entre autres qu'on vous présente aujourd'hui. Alors n'hésitez surtout pas à nous rendre visite pour tester le matériel et vous équiper. Pas à liker, partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Alors le boîtier c'est important, on est passé rapidement dessus, mais l'essentiel, on ne le répétera jamais assez, ce sont les optiques. On va donc s'attarder un petit peu plus sur le sujet. Alors au total, les trois marques proposent à ce jour un panel impressionnant de 74 optiques. On aurait aimé pouvoir toutes les tester, malheureusement on a voulu faire en sorte que cette vidéo soit réalisable et digeste, donc ça a été un exercice assez difficile. On a donc testé les 35 et 50 mm de chacune des gammes sur le terrain pour vous aider à identifier quelle gamme correspondra le mieux à vos besoins. On est en 2024 et donc sur des optiques de ces gammes, aujourd'hui il n'y a plus de mauvaises optiques. Et dans tous les cas, vous pouvez sortir d'excellentes images avec toutes les optiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors on va commencer avec Panasonic et leur série Lumix S qui offre aujourd'hui en focale fixe 6 optiques du 18 au 100 mm avec des ouvertures de f1.8 jusqu'au f2.8 pour le 100 mm macro. Cette série d'optiques a une particularité très intéressante, c'est qu'elles font toutes à peu près la même taille à quelques millimètres près et le même poids à quelques grammes près. Cela peut être ultra pratique pour les photographes mais ça va être surtout ultra utile pour les vidéastes qui pourront changer d'optique sans rééquilibrer leur stable ou modifier leur rig. Niveau ergonomie, c'est assez léger en termes de boutons, on a juste l'essentiel avec un switch AF-MF et une bague de mise au point. Elles offrent un rendu standard mais précis et bénéficient surtout d'un très très bon rapport qualité-prix. Ces optiques fixes comme l'ensemble de la gamme Lumix S sont ultra efficaces et bonnes dans toutes les situations et on les recommandera franchement à tous les photographes ou vidéastes qui recherchent de la productivité. Sigma propose aujourd'hui deux gammes compatibles avec la monture L et on va commencer tout de suite avec les Contemporary E-Series.
Cette gamme offre 9 optiques allant du 17 au 90 mm avec des ouvertures de f2 jusqu'à f3.5. Ces e-series se démarquent principalement par leur construction irréprochable et par leur ergonomie dont je suis personnellement ultra fan. Elles peuvent bien entendu être utilisées en vidéo, mais elles vont réellement se démarquer en photo où leur compacité alliée à leur ergonomie vont vraiment en faire des alliés idéales pour la street photo, la photo de reportage ou encore en voyage. Niveau qualité d'image, on trouvera un rendu caractéristique à Sigma, très doux à pleine ouverture mais toujours précis. Niveau rapport qualité-prix, ce sont des optiques qui sont vraiment ultra compétitives. La seconde gamme que Sigma va offrir en monture, elle, va être la fameuse gamme Art, qui est ce que Sigma offre de mieux. En focale fixe, on retrouvera 7 optiques ultra lumineuses de 14 à 85 mm, avec 6 optiques ouvrant à f1.4, un fameux 35 mm ouvrant à f1.2 et 2 optiques macro à f2.8. En plus d'être très lumineuse et donc d'offrir de très faibles profondeurs de champ, elle bénéficie d'excellentes qualités optiques, généralement dans un format contenu. L'ergonomie est actuellement la meilleure que vous puissiez trouver sur la monture L avec tous les contrôles que l'on peut attendre d'une optique haut de gamme. Dont une bête de mise au point, une bête d'ouverture, le blocage de l'ouverture pour passer de l'automatique au manuel, un bouton permettant de décliquer la bête d'ouverture pour la vidéo, un bouton AF paramétrable et bien entendu un switch AF-MF. Elles offrent un rendu d'image spécifique à Sigma, très doux hors focus et très piqué dans la profondeur de champ. Ce sont assurément l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour toute personne cherchant des capacités et une ergonomie professionnelle en monture L. On arrive ensuite à Leica qui va aussi offrir deux gammes. On va commencer avec les Leica SL Semicron qui sont des optiques compactes qui existent actuellement uniquement en 35 et 50 mm en ouvrant à f2. Cependant, si on souhaite bénéficier d'un rendu et d'une qualité Leica inimitable, ce sont vraiment les SL Apo Summicron qui feront votre bonheur. Elles offrent bien entendu une finition parfaite, une ergonomie très épurée, voire un peu simpliste, et sont très légèrement plus lourdes que les Sigma Art. Mais elles offrent sans conteste l'une des meilleures qualités optiques que vous pourrez trouver sur le marché et assurément la meilleure qualité optique que vous pourrez trouver en monture L. Ce sont aussi les optiques assurément les plus onéreuses pour la monture L. Cependant, si on peut se permettre l'investissement, elles font partie du peu d'optiques dont le rendu permet de se différencier dès la sortie du boîtier. Après vous avoir présenté l'ensemble des boîtiers et vous avoir présenté les différentes gammes d'optiques existantes en monture L, vous pouvez maintenant constater par vous-même qu'il y a une infinité de combinaisons possibles et c'est ça qui fait que la monture L est super intéressante. On souhaite rapidement vous partager nos combos coup de cœur. Pour ceux qui souhaitent un combo plutôt abordable, on va leur recommander du S5 de première génération avec des optiques Lumix S. Ça va permettre d'avoir un combo ultra abordable pour du plein format mais qui offrira d'excellents résultats. Pour ceux qui recherchent un combo polyvalent qui saura tout faire et avec des capacités professionnelles, on vous recommande du S5-2 ou du S5-2X selon vos besoins en vidéo avec du Sigma A. Alors un combo qu'on adore et qui est un peu même coup de cœur, ça va être un S5-2 avec du Leica SL Apo Summicron. Une optique qui va vous offrir une qualité de folie alliée à un boîtier rapide, complet et polyvalent. Alors oui, ces optiques nécessitent un réel investissement. Ce qu'on vous recommande, c'est vraiment d'analyser vos photos pour identifier la focale que vous utilisez le plus avant de sauter le pas. Un des combos qu'on recommandera fortement à tous les photographes de voyage, reportage ou street photographie, ce seront les Sigma FP ou FPL que nous n'avons malheureusement pas là entre nos mains, avec les Sigma e-series. Ça va faire un combo ultra compact et discret qui sera un allié idéal pour ce type d'utilisation. Enfin, pour tous ceux qui recherchent la plus haute qualité, on va recommander le Leica SL3 avec les optiques SL Apo Summicron. Ça va vous donner un rendu unique autant en photo qu'en vidéo et une qualité de fichier exceptionnelle. On arrive à la fin de cette vidéo, on a essayé de vous exposer donc en effet l'ensemble de la gamme L, ce qui n'est pas un exercice facile dans un format aussi court. On espère malgré tout que ça vous aidera à faire votre choix et potentiellement à vous inspirer. Il y a donc de multiples combinaisons en monture L et c'est ça qui est super intéressant. Il y en a donc obligatoirement une qui doit vous convenir. N'hésitez pas à contacter notre service client ou à passer en magasin si vous souhaitez être conseillé. Dans tous les cas, nous sera toujours un plaisir de vous accompagner. En tout cas, on espère que cela vous a plu et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos.